Ahmed Asper à l'occasion de la deuxième marche pacifique pour revendiquer les droits des anciens vacataires retenus illégalement par la MONUSCO, ex-MONUC du site Kivu, Bar Bukavu. Ce mémorandum, nous l'adressons à Monsieur le secrétaire général des Nations Unies à New York, aux États-Unis, Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec nos hommages de Ferra à Kinshasa. Représentant des anciens vacataires de la MONUSCO, ex-MONUC, et l'association sans but lucratif des droits congolais, dénommée Action pour le développement et l'innovation médicale, ADMED en sigle, œuvra à Bukavu, en République démocratique du Congo, avant été mandatés par les ex-vacataires de la MONUSCO, actuelle MONUSCO, afin de déposer leur plainte au siège de l'ONU contre la MONUSCO, ex-MONUC, site Kivu, en République démocratique du Congo, pour rétention illégale de leur salaire et violation des droits humains contre ses propres anciens vacataires. Nous référons à notre lettre numéro 015-ADMED-BQV-020 du 29-7-2020 informant la marche du 13 août 2020 et non des travailleurs journaliers. Contrairement aux instructions administratives ST-AI-1999-7 abrogées et ST-AI-2013 en vigueur, le salaire des anciens vacataires ont varié selon les années comme suit. 2 dollars par jour en 2002, 4 dollars par jour entre 2003 à 2006 et 5 dollars par jour entre 2006 à 2020. En plus, en date du 1er octobre 2010, le directeur d'appui d'âme à la mission, M. Paul Bouad, avait reconnu que statut et le statut des travailleurs journaliers n'existaient pas dans la famille de l'ONU, voire annexe. Le troisième paragraphe du procès verbal signé par le directeur d'appui à la mission, M. Paul Bouad. Les arriérés des salaires rétroactifs, payer les décomptes finaux et dommages-intérêts, payer les indemnités, payer le nombre ex-vacataires souffrent actuellement des maladies professionnelles et avaient connu des accidents du travail, mais n'ont pas été indemnisés ni compensés conformément aux instructions administratives des Nations Unies, AI numéro 211-26.16 et .17. Prévoir une indemnité compensatoire pour violation des droits humains subis par les travailleurs de la part de la MONUSCO. Procéder à la délivrance des attestations de services rendus à chaque vacataire. En tout, payer un montant unique et forfaitaire estimé à 700 millions de dollars américains pour compenser toutes ces erreurs volontaires de calcul aux missions
involontaire, violation des droits humains et autres irrégularités subies par les anciens vacataires de la MONUSCO. De votre implication de notre sécurité et protection. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Sud-Kivu, nous sollicitons toujours votre implication dans ce dossier pour remettre les anciens vacataires dans leurs droits et notre protection et sécurité, car nous sommes victimes de différentes menaces téléphoniques. Enfin, nous vous remercions d'avance pour votre implication dans la remise de ces opprimés dans leurs droits. Et tous disons, je suis ancien vacataire, je plaide pour leur cause. Merci beaucoup. Comme on dit, on a la bouche mais on n'a pas la parole. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, étant empêché, il nous a délégués pour recevoir ces mémos. Vous avez déjà été reçu par le directeur de cabinet du gouverneur. Il a entendu vos cris, il a fait rapport au gouverneur de province. Et aujourd'hui, pour la deuxième marche, vous venez encore déposer le deuxième mémo. C'est bien de réclamer ses droits, mais il y a aussi des devoirs. Et le gouverneur, en tant que fils de terroir, est sensible aux cris de ses enfants. Je pense qu'il va plaider auprès de la MONUSCO pour qu'il y ait une solution. Merci. Soyez patient et attendez. Dès qu'il ait contact avec la MONUSCO, il vous fera rapport. Moi, en tant que conseillère sociale du gouverneur de province, je vais aussi essayer d'expliquer et faire une synthèse pour le mémo que vous venez de nous donner. Merci beaucoup et bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. Le nom Sorosei, staff international de la MONUSCO. Sorosei.